Les épisodes de vagues de chaleur sont de plus en plus fréquents. Voici les choses importantes à savoir pour mieux les supporter. Pour garder votre logement au frais, il faut tout d'abord limiter les apports de chaleur en fermant vos volets et vos rideaux dès que le soleil tape sur la fenêtre. Aérez votre logement tôt le matin et à la tombée de la nuit pour apporter un peu de fraîcheur. Enfin, limitez l'usage d'appareils qui produisent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent, en particulier le four et les plaques de cuisson. En cas de forte chaleur, il est très important de bien vous hydrater, même quand vous n'avez pas soif. Vous devez boire environ 2 litres d'eau par jour. Certaines personnes sont plus à risque en cas de canicule, comme les femmes enceintes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et celles qui suivent un traitement médical. Soyez attentifs et prenez régulièrement de leurs nouvelles. Il existe un registre canicule où les personnes fragiles peuvent se faire enregistrer en se signalant dans leur commune. Elles seront ainsi contactées régulièrement. Enfin, soyez vigilants face aux signaux d'alerte suivants. Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertige, nausées, propos incohérents. Si besoin, appelez le 15. Pour plus de conseils pour mieux supporter la chaleur, découvrez notre seconde vidéo.